さらしめが日本を裏切り陛下にあだらすとは。ガルマトワタケオ、どうやって手に入れたんだこの異物を。Je suis désolé, je ne parle pas japonais. 誰か答えられないのか。 Cet objet dans votre main ne vous apportera que de la douleur. Croyez-moi, je le sais. ネズミどもを海に叩き落と。 Je ne suis pas un prêt. Hey, bonjour tout le monde, c'est la team GK, excusez-moi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème First Room Challenge. Et aujourd'hui, on est sur Zetsubou no Shima. Cette map est tout simplement, on va dire, là, je pense que les 5 manches, ça va déjà être compliqué, hein. Parce que là, c'est assez compliqué de bouger, mais alors après, je connais pas trop, je joue pas trop à Zetsubou no Shima. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut... Ah putain, c'est vrai, faut enlever, faut nettoyer. Donc l'histoire de cette map, c'est tout simplement... donc dans la dernière map, c'est Deraren Trareu. Il fallait... Enfin, les deux dernières maps, The Giant, le principe c'était simple, c'était de... d'aller tuer Richtofen, donc il fallait qu'il se tue lui-même. Dans Deraren Trareu, bah, ils doivent tout simplement tuer des tanks DMC. Et sur cette map, ils doivent tuer Takeo, donc l'autre Takeo. Et donc là, on est bah, tout simplement sur la map. Et donc voilà, on est parti, hein. Il y a des petits easter eggs plutôt sympas qu'on peut faire dessus, que je ferai peut-être dans d'autres vidéos. On verra bien. Mais là, aujourd'hui, c'est de la survie, tout simplement. Comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu très peur. Oh, j'ai chaud. J'ai même chaud tellement j'ai eu peur. Tiens, on va planter la graine. Et du coup, ça va nous donner, vous savez, comme sur Shadow of Evil. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une plante. Et sur cette plante, bah voilà. What? Il y a autant de zombies que ça? À la manche 2. Pas faire malin là. Alors, ça, c'est tout simplement une autre graine. Ah, ça pousse quand même, ça pousse. Ça, je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que ça sert à quelque chose, mais... À vrai dire, les secrets... ils sont très durs à chaque fois. Moi, je... Franchement, je galère. Mais bon. Peut-être pas rester dans l'eau. C'est peut-être pas une très bonne idée, ça. Et par contre, oh! On a repris notre graine encore. Ça va, normalement, il faut, pour les arroser, il faut de l'eau. L'eau, elle est derrière. Ok, les deux cuts, tu vas les prendre, mon gros lard, là? Je vais prendre la RK5. Tiens. Petite historique juste avant. Ils sont fous un coup de cut dedans. Ça nous... voilà, c'est nul, je sais. Sauf qu'en fait... non, je vais pas en parler. Ouais, si, allez. En gros... quand on fait ça sur dans certains endroits de la map, ça peut tout simplement nous permettre de... Y'a quoi dedans? C'est comme ça.
Ça peut nous permettre d'avoir des hallucinations dans certains endroits de la map, entendre des cris, des choses comme ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, mais bon, là c'est pas les bons, là c'est juste pénalisant. Dégage la racine. Ah, ça va être compliqué. Il y a même pas d'atout. Il y a même pas d'atout. Là, c'est vraiment le bordel, quoi. Mais j'aime bien. Cette map est bien. Elle est quand même belle, mais c'est pas ma préférée. Ah, il y a que des. Ah, donc on peut voir que je suis Richthofen en bas à gauche. Et il y a beaucoup de rampants quand même. Hein. Avec ma greu là, j'ai fait beaucoup de rampants. Sur cette map, il y a des monstres, je vous le dis clairement. Il y a clairement des monstres. Et ça me fait un peu. Ça me fait un peu flipper. Oula, le petit zonzon, il bug. Hein. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, bien évidemment, Kylian n'est toujours pas là. Hein. Je commence à plus trop le dire, c'est les... On va dire que là, après celle-ci, il en restera deux où je serai tout seul. Et après, Kylian reviendra pour m'aider. Et ce sera son Dash de Rimtoton, la première map de Call of Duty Zombie, tout simplement. Hein, World Art War, Nazi Zombie, hein, c'est Nazi Rimtoton. Ça va être compliqué. Il y aura même pas de... en vrai, Nazi Rimtoton, en y repensant, ça va être dur. Mais moins dur quand même. Je pense qu'on peut au moins faire dimanche, clairement. Parce que c'est un peu fait exprès, on va dire. C'est tellement petit que c'est fait exprès. Mais là déjà sur cette map, on peut voir que c'est chaud. Allez, meurs, s'il te plaît. Et là, on est à la manche 6. Donc manche 6, pour moi, ça va commencer à piquer quand il y aura les chiens. Si, il y a les chiens. Hein, je sais même plus s'il y a les chiens. Mais ça me fait peur, ça. Ah, en fait, c'est un avion... Ça fait moins flipper du coup. Oh non, c'est pas les chiens, c'est des araignées. Arachnophobe de s'en tenir. Putain, la saloperie. Ça me fait peur moi. Oh, oh, oh. Ah, le bruit est... Ah, le bruit est dérangeant. Hein. Je suis désolé de le dire, mais le bruit... Voilà, franchement le bruit est très dérangeant quand même. Hein. Ah si tu mourras. Tu vas mourir aujourd'hui mais pas à ce moment-là. Non, pas maintenant. On va attendre un petit peu quand même. C'est pas marrant. Là ça va commencer à être vénère. Par contre vraiment. Pas que je fasse le con comme dans certaines autres maps. Tu ne me vois pas. Une grenade, attention. Bam, allez. Mais pourquoi il y en a autant? Mais c'est un délire. Regardez tout ce que j'ai. Ah, j'ai eu trop peur. J'ai peut-être pas bien fait d'utiliser maintenant, mais. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais là c'est un peu compliqué. Il y a un peu beaucoup de zombies quoi. Je n'aime pas ça, mais pas du tout. C'est vrai. C'est tout naturel que tu passes tes derniers instants sur le sol. Voilà. Et il veut quoi lui? Il veut quoi? Voilà, meurs s'il te plaît.
ça c'est fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je prends ça. Oh la saloperie. Hey, oh. Ça va être la fin, hein. Ça va être la manche 8, c'est déjà pas mal. Mais là, ça va être le bordel. Oh mon dieu. Mais elle pète 3 heures après la grue. Oh, je suis passé. Oh, oh, je suis passé. Franchement, je suis en apnée, hein. Ouais, dégage, dégage, dégage. Je t'ai dit dégage. Voilà. J'ai pas envie de revoir ces araignées, par contre, hein, ces petites saloperies, là. Franchement, j'ai pas envie. Mais dégage! Casse-toi! J'ai dit non! Et par contre, ça fait tellement level up les armes. Les petites armes comme ça là, level 5, ça fait plaisir. Olé! Le speedrun! Ça passe ou pas? Ça passe pas! C'est terminé! C'est tout! Là, c'était infâme! C'était horrible! À partir du moment où j'avais plus de grenades, c'était fini. Mais je suis content quand même. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était la Team GK.